Salut à tous et à toutes, ici DB94, on se retrouve pour la suite de notre let's play avec Epir. Donc comme je vous ai expliqué à l'épisode... Non c'était pas un épisode, c'est un épisode un peu spécial parce que j'avais eu mon nouveau PC. Et donc le plus problème c'est que j'avais perdu les sauvegardes de ROM 2. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai recommencé en solo. Et comme vous pouvez voir, notre empire est nettement plus grand. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc je vous fais un petit récapitulatif. Donc j'ai commencé avec Larissa et Apollonia. Donc j'ai tout de suite, je me suis tout de suite lancé à la conquête de Sparte et d'Athènes. Donc j'ai réussi à prendre Sparte et Athènes. Et ma chance c'est que j'ai eu Knossos qui s'est mis en guerre contre moi. Et du coup j'ai pris Knossos. Donc en fait j'ai récupéré toute la région de Hellas, donc c'est la région grecque. Ensuite j'avais la ville de Rhodes qui est devenue rebelle. Du coup j'ai capturé la ville, c'était très très simple. C'était ouais très très simple. Ici j'avais un peuple, je crois que c'est les Dalmates ou je sais plus c'était quelle nation. Qui pareil était rentré en guerre contre moi, du coup je les avais attaqués, j'ai récupéré la ville. En Italie, bah, j'ai poutré les Romains. D'ailleurs c'était encore plus facile que pendant mon let's play, sincèrement j'ai vraiment pas trouvé de difficulté à leur péter la gueule, j'ai envie de dire. Donc du coup c'est vrai que c'était assez simple, voilà. Donc après j'ai pris la Cisalpine aux mains des Insubres. Pareil c'était voilà, encore c'est pareil, c'était encore plus simple que durant le let's play. Je sais pas, c'est peut-être parce que c'était plus beau, j'ignore. Donc ensuite je me suis rabattu sur l'Illyrie. J'avais encore les Ardiae qui étaient là, du coup j'ai pris toute l'Illyrie, si je pouvais la prendre. Et du coup je me suis dit pourquoi je ne reprendrais pas la Macédoine, parce que les Macédoniens n'avaient que deux villes. Et du coup j'ai pris la Macédoine en deux tours je pense. J'ai pris Pella en... ouais c'est ça, en un tour. Et après j'ai pris Puldeva avec la même armée le tour d'après. Donc ensuite ici il y avait les Tribailles. Ou les Tribales, je vais dire le terme exact. D'ailleurs ici j'ai encore un bout d'armée, donc vous pouvez voir c'est les Tribailles. Tribaille, on va dire, qui avait des bouts d'armée. Du coup ils avaient ces deux régions en trace, du coup j'ai récupéré ces petites régions, voilà. Écoute, rien, du coup il me reste plus que Antea. Et donc après je vais revenir à mes possibilités d'attaque pour le prochain, enfin pour les prochains assauts. Ici en Dacie, pareil, j'avais trois peuples différents, j'ai pris les villes, voilà, sans trop de difficultés. En Pannonie, pareil, voilà. Voilà, sans trop de difficultés on va dire. Donc au final c'est vrai que j'ai un truc assez sympa. Avec beaucoup de régions qui sont complètes en fait. Et quasiment toutes les régions sont complètes à part la Thrace et la région qui est ici d'Asie. Donc maintenant je sais pas trop qui attaquer. Alors j'ai trois possibilités. J'ai soit je lance mes conquêtes vers l'est et je récupère ici la ville de d'Antea. Ou ça je récupère la Thrace, que la Thrace m'appartiendrait. Et du coup je me lance à la conquête de l'Anatolie. Récupérant tous ces territoires, ce qui est déjà pas mal. Soit je vais en Afrique comme je voulais faire durant le let's play. Et vu qu'en fait il y a énormément de il y a pas mal de villes rebelles en fait, on a ici une région Mauritanie, ici une région d'Afrique. Et on a les Massaïsiles qui sont voilà, ils ont à mon avis, je peux leur faire très mal dès le début, mais je peux récupérer assez facilement l'Afrique. Ou troisième choix, attaquer le nord ici en Raïcha Noricum, où là il y a trois factions différentes et je pense que ce serait difficile. Je pense que dans les trois choix le plus dur serait prendre ces trois régions parce qu'ils sont alliés entre eux je pense. Regardez, eux ils sont alliés avec les Arvernes, les Vivisques, les Nannettes, donc c'est que les peuples en Gaule. Ou sinon j'attaque tout simplement ces deux régions déjà parce que regardez, ils sont juste alliés ensemble et c'est vrai que ce pourrait être pas trop compliqué. Sur mes armées, j'ai deux flottes. J'ai celle-là qui est en construction. Et j'ai ma flotte qui est à l'est. Que je dédie vraiment à l'est ou au niveau de la Grèce pour défendre après mes territoires.
Donc j'ai la Terreur d'Arès qui est une armée qui est très moderne, parce qu'avec les modes de jeu, vous savez, j'ai changé le mode de jeu, et du coup j'ai mis des armées modernes. J'ai enlevé le mode qui mettait les Myrmidons. Et à la place, j'ai mis un mode qui nous attribue des. Que vous voyez, des cavaleries thessaliennes. Qui nous attribue des unités de la Macédoine et des unités de l'Illyrie. Vous allez voir regarder ça. Où est-ce que je peux regarder ça ici? On va voir. Aussi, je peux regarder. Vous pouvez voir si j'ai tout ça. Donc voilà. Donc j'ai par exemple, j'ai les Pétasses Royaux qui sont des unités qui appartiennent à la Macédoine. Ça, c'est des unités pirates mais qui viennent d'un mode. Pareil. Non, dès que vous voyez qu'il n'y a pas de nom, c'est que ça vient d'un mode. Vous voyez, eux, les Bretagne et Autora, je crois qu'ils viennent même d'Athènes, j'ai même des doutes. Voilà, donc j'ai plein d'unités, ceux-là ils viennent d'Illyrie, enfin voilà quoi. J'ai vraiment plein de petits trucs sympas, vous voyez ici des archers illyriens, voilà. Donc j'ai enlevé le petit mode qui me donnait les Myrmidons, parce que je trouvais que c'était quand même un peu cheaté sur les bords. Donc voilà. Donc ensuite, je suis en guerre contre personne. Vous pouvez voir, j'ai des. Je suis allié juste avec. Non, ça c'est pas moi, ça c'est lui. Donc moi, Épire, je suis allié juste avec Rhodes. Rhodes, bon j'ai pris la ville de Rhodes, mais eux ils sont venus ici. Déjà, ils ont un beau petit territoire vraiment sympa. Je suis allié avec Pergame. Pergame qui est ici. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup d'alliés à ce niveau-là. Voilà, j'ai Pergame en allié. Et j'ai les Bithynies, voilà. Donc c'est mes alliés, c'est pour ça que j'ai pas trop envie de les attaquer. Enfin, pas pour l'instant. Je suis juste en guerre avec les tribas et voilà, ils ont juste une faction ici. Donc voilà. Ensuite, niveau de technologie, tous mes trucs sont au niveau 1. Hein, toutes mes technologies sont au niveau 1 déjà. Avoir niveau 2 pour ça. Alors là, je vais mettre le niveau 2 pour tout le site. Ah bah, il est déjà au niveau 2, donc j'ai juste celui-là à faire. Et celui-là. Donc après, je vais me lancer à faire toute technologie militaire. Niveau budget, voilà, je suis resté en moyen. Tac. Pas trop besoin de voir tout ça. Objectif, je n'en remplis que quelques-uns. Donc déjà, j'ai tout ça à part Carthaginensis. Donc Carthaginensis, c'est en Espagne. Ce sera bientôt. Alors ici, voilà, j'ai 49%. Tous mes gédéons, voilà. Mon Imperium. Je suis loin de l'avoir rempli en termes d'armée, j'ai 7 armées sur 9, 2 flottes sur 6, bref. J'ai aucun dignitaire. Parce que j'ai voilà, j'ai que des territoires grecs, donc il n'y a pas forcément besoin de dignitaire. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc mon leader c'est Basilide. Donc c'est toi. On va te promouvoir d'ailleurs. On va promouvoir d'autres. On va promouvoir. Même si on perd des trucs, voilà, c'est toujours mieux de promouvoir. Les commis de l'argent. Divorcé. Pouvoir. Donc on va passer le tour. Donc là, vous verrez maintenant que les tours vont passer beaucoup plus vite qu'avant. Plus maintenant on pourra enfin faire des batailles. Et ça va être vachement cool. Des batailles en ultra, c'est vachement sympa. Ça va changer que d'habitude. Et même voilà, maintenant vous verrez beaucoup plus de batailles qu'avant. Parce que c'est vrai qu'avant j'avais un PC un peu moins bon. Du coup c'est vrai que ça m'incitait un peu moins à faire les batailles. Mais là ça va changer, vous inquiétez pas. On va faire beaucoup de batailles. Attends, donc je vais faire comme j'ai dit, je vais m'attaquer à la région qui est au nord de la Cisalpine. Oh, j'ai oublié le nom. Raetia, Nicorum, ouais, Nico, je sais plus. Bref, vous avez compris. Truc dans les montagnes, là, dans la neige. Donc je vais commencer la conquête de ces des deux factions qui sont au-dessus. Et après, donc le. Encore comme un Vous avec Chypre. gagnerez beaucoup à faire du commerce avec Bon, même si vous êtes en guerre avec tout le monde, voilà, quoi, je pense pas qu'on va me tenir rigueur de faire ça avec vous. Et donc. Une fois que j'aurai pris ces deux régions, mais je vais direction l'Afrique, récupérer Carthage et toute l'Afrique, parce que ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ensuite, on va se lancer, pardon, excusez-moi. Ensuite, on va se lancer à la conquête de la Mauritanie et de l'Afrique, et ainsi que toutes les régions qui est autour, genre Faizia, qui est vraiment au sud de l'Africa, la Libye, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'en Égypte, pourquoi pas. Un peu voilà faire pour refaire un peu faire le cercle de la mer Méditerranée un peu comme les Romains et après pourquoi pas aller Nos ennemis communs Trapezunos. trembleraient si nous étions alliés. Vous avez pas de Votre force, notre sagesse, ensemble, réaliseraient de grandes choses. Ah c'est vous. Oh oui, on s'est foncé, oui, vous êtes très puissant, oui. Donc les tribas ils viennent de passer. Donc les tribas il faudrait que je les défonce quand même parce que là ça commence à faire chier. Donc façon de. Ah bah voilà, je suis en train de dire qu'il faudrait les détruire, y a pas besoin. Alors surplus. Plus en Cisalpina. Ok, donc j'ai quoi ici? Donc j'ai déjà beaucoup de bâtiments religieux. Je vais faire un bâtiment pour mettre de l'argent parce que au bout d'un moment, faut quand même un peu de thunes. Hein. Population rassurée en Asie, donc c'est à Rhodes. Maintenant, je vais voir où sont mes armées. Donc ici, j'ai une armée à Rome. Est-ce qu'elle est prête cette armée à Rome? Ouais, elle est prête. Donc, du coup, je vais te remonter vers le nord. Hop. J'ai d'autres régions. Ouais, j'ai une armée ici. Donc j'ai enlevé le nom des légions, Légion 1, tout ça, j'ai enlevé. Et plus forcément le besoin hein, comme avant.
ici on va mettre ça. Voilà, donc là j'ai 3 armées, j'ai envoyé 2... Bon, à mon avis, une armée ça devrait suffire pour prendre cette région. J'ai envoyé 2 légions ici, on va faire une grosse bataille. Donc attends, on va faire étape par étape. Déjà on va commencer par Hellas, on va voir ce qu'on peut améliorer à Hellas, et après on va commencer à bouger de région en région. À Hellas, donc on a 17, ça va nous... Pardon, hop, ça nous prend quoi? 4 d'ordre public. Ouais, on peut se permettre... Non, quoi qu'il y a ça encore, ça vaut pas le coup. Ici. Alors ici on a plus 20. On va augmenter la ville. Nourriture, pas besoin. Nourriture, j'ai vraiment 135 de réserve, c'est largement suffisant. Ici c'est déjà en construction. Alors en trace, c'est déjà en construction. J'ai déjà en fait lancé des constructions avant de commencer le let's play. Donc je fais tout en off. Et donc après au bout d'un moment je me suis dit voilà, c'est bon, j'ai déjà un petit empire vachement sympa. On va t'améliorer aussi. Moi 226, donc j'ai plus d'argent. Ici, vous pouvez voir que tout est au top. J'ai quasiment toutes mes régions sont unifiées. Hop, on va passer le tour. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai rattrapé rapidement. J'ai rattrapé ça en 8 heures de jeu, je pense. C'est ça, même pas 8 heures de jeu. On est en guerre contre eux. Ouais, on va faire. Parce qu'à ma vie, ceux-là, je pourrais peut-être prendre leur ville. Là. Ça pourrait être assez intéressant pour mes conquêtes en Espagne. Bon, ça c'est vraiment dans longtemps les conquêtes en Espagne à mon avis, parce que je suis vraiment pas très... ça me dit rien pour l'instant l'Espagne, hein. Je suis vraiment pour l'instant m'étendre vers le nord de l'Europe déjà, et ensuite en Afrique, comme ça on gagnera des pépettes, et qu'on sera très riche. Et j'ai un espion à Sparte que je vais remonter vers le nord, parce que j'en avoir besoin. Je vais peut-être même en recruter, parce que ça pourrait être très très utile dans ma future guerre. C'est vrai que je pourrais peut-être recruter une légion vu l'argent que je me fais. Peut-être en recruter une à Rome. Parce que je me suis dit pour commencer mon SP, je me suis dit peut-être qu'en Italie j'allais faire vraiment un truc full army, vraiment où je mettrais où j'aurais une caserne de d'hoplites, une caserne d'auxiliaires, et où j'aurais des forgerons pour les armures, pour les boucliers, pour les épées, et avec un atelier. Enfin, je crois pas que j'ai fait encore l'atelier, j'ai un doute, je suis plus sûr, faut que j'aille vérifier ça. Mais bref quoi, vraiment un truc un peu un truc full army quoi, je pourrais vraiment faire une armée vraiment top de chez top en Italie. Là je commence, en fait vu que je connais beaucoup de factions, c'est que les tours passent lentement. Hop, donc ici, ok. Donc ça par contre on peut l'améliorer. Hop, ça aussi. Donc là j'ai plus d'argent déjà, juste en deux trucs, moi j'ai plus d'argent. Bon. Ce qu'on va faire, c'est que la flotte, on va la remonter. Hop. On va la remonter parce que j'ai vu une flotte Nori ici. Et vu qu'on rentre en guerre contre eux, on va en avoir besoin. Donc d'ici deux tours, à mon avis, je vais vraiment mettre pas trop loin de leur ville. Je vais mettre vraiment à la frontière. Et vous aussi, vous allez à la frontière. On va prendre la ville comme ça. Hop, assez rapidement. Donc en Italie, qu'est-ce que j'ai? Donc c'est bien ce que j'avais dit, qu'en Italie j'ai batteur d'armure, batteur d'épée, batteur de bouclier, truc de mercenaire, quand tu arrives, voilà ça le terme, je cherchais le nom tout à l'heure, et caserne d'hoplite. Ce qu'on va faire, c'est que on va... j'ai plus d'argent pour lever une géant. Bon, une armée, pardon. Bon, ok. Donc si j'ai l'armée à Vélatrie... Il faut que je regarde laquelle des deux est la meilleure. Ouais, Fierté de Périclès sont vraiment fort forts, sont vraiment très bonnes unités. Je sais pas si c'est un patch ou c'est moi en l'instant dans la mode, mais les archers sont vraiment nettement meilleurs qu'avant. Parce que j'ai testé ça, j'ai fait une... juste pour tester, parce que je me disais, je voulais vraiment tester la qualité des archers, du coup j'ai fait une bataille personnalisée. Rejoindre la guerre contre les... Non, je peux pas, je suis désolé. Là, je suis vraiment pas préparé pour la guerre contre eux. Et donc... j'ai mis une unité de nous nous ressemblons et si par la flamme un traité entre nous serait censé. Ouais mais bon, je paye pas par contre. Ça vous va, ça vous va. Donc j'ai fait voilà des archers je sais plus si c'est des romains. Oui je crois que c'est des archers romains, mais pas les syriens, parce que j'ai un mode où je vais vraiment des archers romains de la légion contre, qui sont pas forcément cheatés, ils sont pas vraiment très cheatés, ils ont à peu près les mêmes stats que les archers syriens. Face à des frondeurs, je sais plus si des frondeurs illyriens ou si c'est des frondeurs de Rhodes, je sais plus. Bref, c'était des frondeurs quand même qui avaient des bonnes stats. Et sincèrement, les archers les ont taillés en pièces. Les archers, je pense qu'à la fin de l'affrontement, ils étaient combien, 120.
120 ou 90, je sais plus. Bref, je sais qu'ils ont perdu une dizaine alors qu'en face, ils ont été. À la fin, il restait deux ou trois gars, quoi. C'est vraiment pour dire que je pense qu'il y a eu une grosse amélioration au niveau des archers. Et c'est tant mieux parce que voilà, j'ai rien contre les javeliniers et les frondeurs, mais je pense que les archers, c'est quand même un peu plus fat, j'ai envie de dire. C'est vachement plus cool. Et je trouvais ça dommage qu'ils aient pas des grosses stats dans le jeu. Donc on va voir, allez hop, on passe le tour, allez, allez. Il n'y a pas photo quand même, le jeu est nettement plus beau. Hein. Allez. Mais c'est vrai que frappe bouffe quand même beaucoup de RAM. Hein. Parce que je sais que le jeu, quand je joue sans frappe, si je joue avec frappe, c'est jour et la nuit. Hein. C'est totalement rien à voir. Alors ici. Ici. Alors, c'est vrai que du reste, je vais peut-être pas forcément améliorer les villes pour l'instant. Bon, je vais peut-être améliorer ça. Ici j'ai quoi? Je vais améliorer tout ce qui est technologie, moi quand on voiture, voilà. On fait ça va encaisser le choc. Et c'est tout. Voilà, c'est très très bien. Ma flotte qui est en Libome. Elle est où? Elle est là-bas. C'est là-bas Libome. Hop. Donc ouais, donc j'améliore ma flotte quand même. Combien ça? 551 de charge. 442 c'est nul. Et là j'ai 762. Donc je vais faire ces deux-là. Avec peut-être un peu de peltast. Bon, on va voir ça. Alors, est-ce que je suis en position d'attaque ou pas du tout? Hop, on va voir ça. Bon, il faut encore un petit tour. J'espère que j'aurai pas de perte. Mais j'aurai pas de perte. C'est pas encore l'hiver. Avez-vous d'autres ordres? Au repos, les gars. Voilà. Hop, ici quoi. Une armée. Wow, c'est rien ça. Donc, au prochain tour, je vais attaquer. Je vais juste attaquer les Coria. Donc, on va voir s'ils sont bien alliés. Il n'y a pas de nouveaux alliés entre temps. Non. J'ai pas d'accord. Si j'ai des accords commerciaux avec vous. Les dieux Hop, veulent que je on les vous. annule. Vous, on est d'accord avec vous? Ouais. Bah, on les Salut à annule. vous. Je... Hop. On les annule. Du coup, les mecs, ils nous détestent. Hein. Ah, j'ai cette région, je pourrais prendre. Au Boyen. Ouais, c'est vrai que bon. En fait, je vais pas trop m'étendre vers le nord. Je trouve ça un peu n'importe quoi vers là-bas. Je vais m'étendre vers des régions plus familières, on va dire ça comme ça. On va passer le tour encore et après on attaque tout de suite. Il y aura des batailles, ça va être cool. Hop, j'appuie sur espace. La flotte qui va remonter vers le nord. Ah mince, j'ai oublié de mettre la marche forcée. Allez, allez, allez. J'aurais dû la mettre depuis tout à l'heure, pardonnez-moi. Au lieu d'attendre comme un bouffon. Donc la Ligue étrusque est réapparue, hein, parce que les Romains les avaient comme d'hab, vous savez, c'est toujours pareil, les Romains ils leur cassent la gueule et après, voilà. Vu que j'ai cassé la gueule aux Romains, entre-temps les mecs ils sont revenus. Et voilà. Je propose Petite un coupée. simple. Hein. Il a dû partir en urgence quelque part. Et là je suis tout trempé, tout frigorifié. Hop. Je vais monter le chauffage. Puis fouler. Alors. On va finir nos recherches. Tac, la flotte. Ah bah ils sont là, déjà qu'ils nous pourchassent ces mecs. Ils ont quoi? Oh c'est des troupes. Ouais bah je vais faire une pierre deux coups. Ils n'ont pas d'autre flotte, non. Bon, on va passer à l'attaque. Alors, nourri. Salutations. Déclarer Parlez donc guerre. franchement, sans tergiverser. Moi j'appelle pas mes alliés. Bon ils veulent pas venir ses potes. C'est tant mieux pour moi. Alors, ok, on va faire siège. Du coup, toi, tu vas les attaquer. Voilà. Ok. On sauvegarde. Et on fait la bataille. Donc, quand on vient à cet épisode, normalement, j'ai déjà lancé mon let's play avec le Portugal. Donc j'ai dit voilà, je viens de lancer, je suis en train de dire un truc, du coup je me suis perdu dans mes pensées. Voilà, j'ai lancé et donc j'attends un peu vos retours positifs ou négatifs. Donc voilà, parce que souvent ça me tient à cœur. Je trouve que voilà, le Portugal, bon, je suis d'origine portugaise donc forcément ça ajoute un changement un peu, mais je sais pas, je trouve que c'est un pays quand même une histoire assez particulière. Il a toujours été un peu
toujours été un peu en retrait par rapport aux autres pays d'Europe de l'Ouest. Toujours un peu différent quand même. Tu vois, c'était un peu plus rural. Et soit jamais trop de reconnaissance. Et je trouvais voilà, que ça méritait un petit let's play. Surtout que c'est une faction un peu dure à jouer. Et si vous aimez bien que je joue des factions comme ça, assez dures. Donc voilà, j'en profite. Ici, j'ai des archers. Putain, des archers. Des hachés, je sais pas qu'on peut dire. Bref, c'est des gens qui ont des haches. Je sais pas comment on peut appeler ça. Donc c'est H, je sais pas, H on va dire, allez, on va dire H et agrégienne, pardon. Ils sont vraiment badass ces mecs là. Vous vous mettre sur la colline peut-être. Carrément on va mettre sur la cette colline. Et on va mettre hop. Vous. Hop. Vous, on va vous avancer ici. Vous avez peut-être écouté discours du général. Ah, bon là peut-être fait. Peut-être un bug, je sais pas. Hop, ici. Voilà, si on va vous avancer comme ça. Peut-être vous avancer là. Ouais bon ok, il bug complètement. Toi tu vas là. Ok alors, bon on va repositionner parce que c'est le truc qui est débile. Ah merde, le jeu s'est mis en pause, ok. C'est pas moi qui l'ai mis. Vous allez mettre derrière. Les archers agrégiens, vous allez mettre derrière. Le général, ici. La cavalerie, vous allez prendre le flanc. On va essayer de vous mettre. J'essaie de charger un mode pour les caméras, mais tu charges jamais vraiment, il faisait bugger le jeu, donc tu dis ça servait totalement à rien. On va essayer de nouvelles unités. Donc, ça, c'est l'unité grecque, macédonienne à la base. Qui ont été voilà avec un bot qui ont été attribués à Épire. C'est vrai qu'on a rien du tout avec Épire en tant qu'unité, on a vraiment très très peu d'unités. Ici on a des pétasses royaux, ces mecs là ils sont vraiment hyper forts. Regardez-les. Ils ont une chouette armure. Donc les hachés, je sais pas comment on dit, les hachés ou. Oh, ils sont hachés, voilà, hop, on va dire ça comme ça. Ils ont haché, je crois que c'est des javeliers en fait ces mecs là, mais bon. Alors ma cavalerie, thessalienne, c'est la meilleure cavalerie qu'on peut avoir chez les Grecs. Hop, on va mettre un petit point, mais... Toi, tu vas contourner. Hop, on se met bien derrière, vous allez remonter. Le général va se mettre ici pour combler les trous, on va dire. Ici, vous allez fermer le dispositif. Hop. Voilà. Oula, c'est quoi qui arrive? Cavalerie. Oh putain, c'est de la cavalerie. Changement de plan. Oui, il est tiré sur pas. Et... Soir de portée. Cavalerie. On fait mal. Allez. Catapulte, on va arrêter de tirer. Hop, tu fais de feu. Alors eux ils sont en place et eux ils ont une aptitude contre la cavalerie qu'on va utiliser. Hop, formation phalange, allez on se dépêche. Hop hop. Voilà, mec ils prennent bien la gueule comme il faut. Allez. Allez cavalerie, on y va. On va vous avancer, hop. On va avancer, ça va avancer. Ah, les salauds, ils sont passés. Allez, on est contre. Allez, on y va. Et charger là. On va essayer de zoomer un peu pour voir l'affrontement. Excusez-moi, je remets un peu mon micro parce qu'il était un peu loin de ma bouche. Oh, les ennemis sont un peu hostiles, ouais, ça qu'à de le dire, mec. Voilà, pop hop. Moi, général, je vais aller avancer. Hop, ici. Allez, hop, on l'ouvre.
Ces unités là sont vraiment fortes, cette unité de lancier, je l'ai eu dans un mode, elle est vraiment très très redoutable. Après il est pas le plus cheaté comme les myrmidons. Ah ils ont plus de munitions, enfin chier. On va essayer de les accrocher, vous allez maintenir, voilà. Ma cavalerie, ils ont gagné le combat ici, vous allez contourner. Ils ont quoi là? Ils n'ont plus rien, c'est rien ça. Hop, allez on charge. Charger tout ça, allez hop. Pétaste royaux, on va avancer tout ça. Hop. 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 Alors ici, ça se passe bien. Wow, ça se passe hyper bien même. Alors on va attendre toi et toi. Hop, contre eux, et toi, décharger. On va zoomer un peu sur l'affrontement. Oh regardez, ça n'a rien à voir, regardez. Regardez la cavalerie barbare et une cavalerie grecque. Totalement rien à voir. Si on peut voir un peu l'affrontement. Ouh là là, il y a du monde qui vient là. Et vite vite on charge. Alors, vous on va commencer à charger. Les Thessaliens, les Peltas royaux pareil. Vous vous chargez et vous vous chargez. Et vous aussi, allez hop, tout le monde charge. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Et vous, vous allez charger ici. Ta cavalerie prend cher quand même. Parce qu'elle est un peu fixée par leurs unités. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu de malus. On va mettre ce mode là. Allez, chargez, chargez. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Voilà, regardez, ils tombent tous par terre comme des petites mouches. Avec les seigneurs, regardez, ils ont vraiment des grosses lances, comme vous pouvez voir. Et hop, c'est bon. Allez hop, c'est bien. Alors je continue en off et je vous dis à tout de suite. Alors, vous pouvez voir, je vais quand même gagner. Je crois qu'ils ont abattu 212 de mes soldats et moi j'en ai annulé. Je sais plus, je crois 1000, je crois, un petit 1000. En fait, stratège, c'est toujours bon. Alors, ici, du coup, on va faire une bataille ou pas? C'est vrai qu'ils vont être chiants. Quoique, moi j'ai une baliste. Bon, allez, on fera encore une bataille. Vous aurez deux batailles, ça va être cool. Hop, pas bataille. Est-ce qu'il me reste du temps encore? Ah, il me reste une minute normalement. Donc, on va faire un peu de rab. Hein. Donc, je partais pour un épisode de 20 voire 30 minutes. Mais du coup, je vais peut-être continue un petit peu plus, hein. Comme ça on en finit avec cette faction. Et au prochain épisode on attaquera l'autre faction voisine. Et hop, ainsi de suite. Alors sec, on va commencer le déploiement, c'est parfait, on n'a aucun malus. Ah donc j'aurai une armée, j'aurai une grande armée, c'est cool ça. Ah oui bien, ils sont pas du tout de la même truc, ok. Donc la cavalerie ici. Ouais ils vont avoir des renforts, du coup il faudra que je fasse gaffe avec ma cavalerie. Vous lâchez ça, vous n'avez pas besoin de ça vous. On va attaquer quel côté on va attaquer par contre? Peut-être attaquer ici. Ouais bof. Où est où la porte? Et où votre porte? Il y a une porte ici. On va vous placer ici devant leur porte principale. Derrière vous on vous met. Voilà. Hop. Les épices derrière. Des frondeurs. Hein, là, qu'un frondeur. Pas bizarre. Baliste. On va vous mettre en face. Et voilà. Lorsque nous aurons pris cet endroit et que nos ennemis s'agenouilleront enchaînés. On reste du général. Lorsque leurs femmes et leurs enfants nous supplieront de devenir des esclaves, alors nous pourrons dire que la journée a été fructueuse. Maintenant, aux armes. Ça c'est du général, j'ai vraiment pas peur. Hein. Ah, et on voit que là-bas, une unité qui arrive. Ah, c'est peut-être les nôtres. Ah bah c'est les nôtres en fait. Je croyais que c'était l'ennemi, et non. C'est nos unités. Donc, on va vous mettre en renfort derrière. Les Peltas de Royaux, c'est vrai que du coup je pourrais peut-être prendre les tours là.
Alors, de toi à toi, on va vous mettre ici. Du coup, ça fait une deuxième armée, c'est cool. Tac. Non. Juste toi et toi. Voilà. Un général qui sera beau ici. Ici. La baliste. Est-ce qu'elle frappe? Ah ouais, 25%. Ouais. Regardez-moi tous les impacts qu'il y a eu. Oh là là. Normalement, ça déconne pas. Hein. Malheureusement, les balistes, on peut pas trop les avancer ici. Bon. On va mettre ici nos balistes. On va les protéger avec des les mecs qui font des haches. Les hachiers. Ils appellent les hachiers. C'est toujours bien les hachiers. Donc 35 dégâts de la porte, 48, 51. Donc ça continue à grossir. Je sais pas si on devrait mettre tir explosif. Je sais pas si ça change. J'ai l'impression que c'est une porte en bois. Donc peut-être que ça peut changer quelque chose. Alors, on va voir tout de suite. Ouais, pas vraiment en fait. Ouais, bof. Alors, vous. Ils doivent prendre la tour. Les épices, vous allez prendre cette tour là. Et vous allez prendre cette tour là. Hop. Voilà. Petit coup de fouet. Ah les bruitages, c'est horrible dans ce jeu. La porte elle a cédé ou pas? Ah presque, 89, 90. Ça va pas tarder là. 99, oh là là, 1% quoi. Allez hop, hop c'est ouvert. On va continuer à attaquer ça. Peut-être qu'il y a même la baliste ici. Et la tour pardon. Alors, ils ont pris le contrôle de ce bordel. Du coup, on va vous lancer là. On va vous lancer là. La porte, on peut rien faire. Si on va lancer ça là, 2 petites secondes. Hop, on va à la hauteur. Donc, on va se lancer à l'assaut des murailles. Il me reste une dernière que je vais mettre ici. Voilà. Donc, on va lancer tout ce beau monde. Hop, tout ça va avancer. Ouais, il reste quoi? Bah, t'avances pas? Hop, ici. Donc la porte est fracassée, du coup on va peut-être faire entrer notre cavalerie. On va peut-être faire entrer d'abord la cavalerie, parce que moi ils peuvent faire très mal. Parce que regardez, moi ils ont pas grand chose dans la porte, ils ont quoi? Ils ont quand même des petits lanciers ici. Infanterie de lanciers. Ça peut être non plus. Donc on va lancer nos copains ici. Non, pas vous. Vous annulez. Alors, bon, eux sont censés faire des dégâts. Vous allez vous mettre ici. Vous allez un peu attendre que les bretteurs fassent leur boulot. Voilà, hop, coup de fouet encore. Ensuite, ça va être nos lanciers. Ensuite, ça va être vous. Ensuite, ça va être vous que vous mettez derrière. Et les frondeurs que je vais mettre tout proche. Hop, là-bas, ça se passe ou ça se passe pas? Je vais shooter la porte. De fouet, aïe aïe aïe, là-bas je viens de voir un truc qui me plaît pas. La cavalerie, allez, c'est moi qui ai la cavalerie. C'est des bouts d'armée qui a là. La cavalerie va vraiment venir à bout très facilement. Ça rame vraiment, mais bon, parce que j'ai Fraps. Fraps, ça bouffe énormément de rames, je sais même pas à quel point. La cavalerie à charge, on va régler ça un peu. Oh là là, ils ont été pris de côté.
va être là pour protéger nos flancs. Les tireurs vont commencer à faire feu. Et on va lancer nos lanciers. Achat. De ce côté-là, qu'est-ce qui se passe? Allez, on y va, on y va, on y va, on bloque pas, on bloque pas. Et vous faites quoi? Dormez? Vous deux, vous avez fait un peu votre taf, vous encaissez un peu les tirs. Ici, on a quoi? Ici, on a quoi? Ça, ça, ça. Bon, allez, hop. Et puis le tast, y'a rien de mieux. Tue-moi sa communauté ici. Ouais, j'ai encore pas mal d'unités. Hop, on avance tout ça. Ici. Ici, on a foncé complètement leur ligne. C'est un peu sur l'affrontement. Ah, les hommes, ils sont vaillants. Hein. Vous pouvez voir ça. Hop, allez les mecs là, t'as forcément tout ça. Alors, j'ai rien sur les côtés, c'est parfait. C'est quoi comme unité ça? Oh non, Peltast. Oh Peltast. Hop, le Peltast aussi. Je vais t'envoyer toute notre cavalerie pour montrer de quoi on est capable. Hop, on va à l'assaut ici. Oui, on est complètement, on les a complètement enfoncés. Ouais, ok, t'as terminé. Alors, 127 à 1429. Je déteste les sièges dans Rome 2. Voilà, enfin, les villes fortifiées, je déteste ça. Je trouve pas ça très cool à jouer. Donc, c'est sûr que voilà. C'est vrai que c'est pas terrible, terrible. Hop. In your face, bâtard. Voilà, hop, on prend la ville. C'est tout. C'est tout. Et voilà, une nouvelle ville pour épier. Hop, toi, ici, hop. Hop, on va transformer tout ça. Je sais pas ce que c'est ça, ça donne des trucs en plus ou pas. Ah, si. Je sais pas, c'est des... Hop, ça donne des stats en plus. Téléphone national chargé, c'est cool. Hop, hop. Bon, on va faire un truc militaire. Et toi, on va changer, on va mettre ça. Voilà. Et mon armée qui est dessus va revenir. C'est vrai que je sais pas où je vais t'envoyer. Crainte du démon. Attends. Ouais, plutôt. Ah, on peut pas. Ça fait chier, ça, sincèrement. Voilà, on peut pas prendre plusieurs unités en même temps. Hop. Donc vous, donc cette armée, je vais l'envoyer vers Rankik, parce que c'est là où elle était de base. Et du coup, c'est cette armée qui va prendre le contrôle de cette ville. Donc au moins 32, donc ça devrait s'atténuer au fur et à mesure des tours. Hein. Donc, on rétionne Ectorum, c'est pas bien. Illyria. En Illyria, ils deviennent fous. Illyria, ils ont 20. Hein. On va mettre plus de nourriture en Illyria. Et en Macédoine, je suis quasiment en max. Peut rien faire. Donc on va se quitter là. Donc c'était un petit épisode sympa. Vous avez eu pas mal de batailles. Tout ça, c'est vraiment cool. Pour la reprise. Oh, par contre, peut-être qu'il y a des armées que j'ai pas vues. Non, peut-être pas. Ça doit pas rester beaucoup d'armées chez eux. Bon, c'était DB94 et je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.